Bonjour, voici le tirage des filles concernant la deuxième quinzaine de mai. Comme d'habitude, la première partie vous présentera le message du tirage et l'extension détaillera la dynamique qui est à l'œuvre dans cette situation. Le lien pour l'extension se trouve dans le menu titre de cette vidéo. Comme vous le savez, ces extensions me permettent de proposer les vidéos que vous trouvez sur la chaîne. Les petits ruisseaux formant les grandes rivières, j'espère que à terme je pourrai développer certains projets qui me tiennent à cœur et qui patiente le temps que je rassemble les ressources nécessaires. Merci beaucoup pour votre écoute attentive et à tout de suite. Voici donc votre tirage défi pour cette mi-mai, à mi-vierge. Au sein de la sagesse de Royaume caché est sorti l'orphelin emprisonné que j'ai couvert avec le cosmos. Le tirage et l'orphelin emprisonné le disent bien. Vous avez formé des projets et ils ne vont pas se passer comme prévu. Cette reine de bâton, ici, elle ne va pas pouvoir mettre en œuvre ses projets de la manière dont elle l'aurait espéré. Mais le lâcher-prise au centre, l'empereur, le 3 de bâton, vous dit que vous allez guérir de ce mental, que vous allez guérir de cette position d'orphelin emprisonné. Dans cette position, on est en position de victime, c'est-à-dire que on estime que tout va contre nous, tout joue contre nous, et que rien de jamais de ce que nous pourrons faire ou de ce que nous pourrons dire ne changera les choses. Et c'est un tirage qui vient vous dire que oui, vous allez devoir abandonner certains aspects de vos projets. Mais il vous dit que vous allez trouver des solutions, le cosmos, que vous allez réaffirmer des choses bien plus importantes, que vous allez vivre quelque chose de bien plus intéressant. Les circonstances vont jouer contre vous pour vous permettre d'aller là où il faut que vous alliez. Le cosmos, le 3 de bâton, cet empereur ici, qui est d'ailleurs, il y a un autre empereur en dessous. Les as aussi, sous la carte de guérison du roi de coupe. Il y a deux as ici, il y a un as ici. On a l'as de coupe et on a l'as d'épée. On a l'as de pentacle. Ce tirage, il vient vous dire ce que vous vouliez, c'était des bâtons. Vous aviez un projet qui était... vous aviez envie de faire quelque chose pendant cette saison, par exemple. Il y a la saison d'été qui arrive. Là, vous vouliez profiter de la saison du printemps pour faire quelque chose. Et catastrophe, c'est pas réalisable maintenant. Mais ce tirage, il vous dit que c'est pas grave parce que les ressources que vous n'allez pas utiliser pour un projet au printemps, ces ressources vont s'augmenter, la marge du temps, et vous aurez bien plus de ressources pour des projets en été qui seront bien plus intéressants. Vous voyez, on a cette dynamique-là ici dans ce tirage. C'est j'ai envie de faire quelque chose, je ne peux pas le faire, je désespère de cette situation. Et vous réalisez tout d'un coup, mais du coup ça me laisse du temps pour faire autre chose et pour faire bien plus intéressant et bien mieux. C'est un excellent tirage, même si le plus difficile, et ce tirage le souligne bien, le plus difficile ça va être de lâcher prise. Ça va être l'empereur de réaffirmer ce que vous êtes et de dire bon, mais j'ai pas pu faire ça au printemps ou au mois... en avril ou en mai, c'est pas grave, je le ferai en juillet, ou je le ferai en fin juin. C'est vraiment le cosmos prendre conscience que tout est un cycle dans la vie, et que si vous ne pouvez pas semer des graines maintenant, c'est pas grave, vous aurez plus de place quand vous pourrez semer le prochain cycle de graines. Eh oui, si vous en semencez un champ de patates maintenant, quand vous planterez vos carottes dans un mois, enfin normalement les carottes ça se plante en même temps que les patates, bon on va garder l'exemple quand même, quand vous planterez vos carottes, pourquoi pas faire deux champs de carottes au lieu de faire un champ de patates et un champ de carottes. Il y a vraiment cette idée de faire contre mauvaise fortune bon cœur la guérison et de s'apercevoir que y a un projet encore plus intéressant.
plus intéressant, et d'autant plus intéressant que j'ai des ressources que je n'ai pas pu utiliser. Bon, je vais vous développer tout ça dans l'extension, parce que je vous développe quand même beaucoup de choses. Et alors, ça c'est ce que je vais développer dans l'extension. Ça affecte vos relations, c'est ça qui est le plus difficile. C'est-à-dire comment coordonner une équipe, si vous embauchez des gens, on va dire, ou si vous dites à chérie, vous avez un projet, comment faire pour leur annoncer que le projet tombe à l'eau. C'est là qu'il va falloir être créatif, pour pas démotiver l'équipe. On ne peut pas le faire maintenant, vous inquiétez pas, j'ai une autre idée, on va faire autre chose. Il va falloir être créatif. Et ça aussi, je vais vous en parler. Donc, j'arrête là pour cette première partie du tirage. Comme vous le savez, les tirages, défis, l'extension et sur Vimeo, vous avez le lien dans le menu titre. C'est ce qui soutient mon travail, c'est ce qui finance de nouveaux projets, hein, puisque je voudrais proposer des vidéos plus intéressantes au niveau astrologique. Vous pouvez, eh bien, acheter cette extension, ou vous pouvez tout simplement mettre un like, un commentaire, partager même cette vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois. Au revoir.